J'ai vu une femme qui a pris tout à l'heure son ventre. Vous voyez tout à l'heure une femme qui jouait avec son ventre. Il a soufflé. Monsieur. Oui, le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Vous allez lâcher son ventre. Quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Le feu sur toi. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Tu vas me donner ton nom maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas me donner ton nom. Tu vas me donner ton nom. Tu vas me donner ton nom. Au nom de Jésus. Quel est ton nom? 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 Donne-moi ton nom. Pourquoi tu peux mettre ta propre fille au monde et la base de ton malheur? Son malheur? Oui. Oui. Fanny. Thérèse. Je m'appelle Fanny. C'est ma fille. C'est ta fille. Je veux prendre son enfant. Et pourquoi? Je ne veux pas qu'elle accouche. Tu ne veux pas qu'elle accouche? Je veux pas qu'elle accouche. Et pourquoi? 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 Oui. Je vais mourir, je ne veux pas mourir. Par quoi? Tu veux utiliser quel moyen pour tuer son mari? Physique. Son mari est gendarme. Son mari est gendarme, c'est ça? Elle, son mari est gendarme. Il est corps à pied. C'est ça? Il est corps à pied, son mari? Son mari est corps à pied? Ok. Tu vas le tuer. Qu'est-ce que tu as détruit encore dans sa vie? Son argent. Son argent. Il veut qu'elle soit veuve comme toi. Tu as détruit son argent, n'est-ce pas? Tu as détruit son argent, n'est-ce pas? Tu as détruit quoi encore? Tu as pris son enfantement. Tu veux bloquer, tu as tué son mari. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait encore? C'est bien, tout c'est bien. Tout c'est bien. Sachant, sache, il n'est pas qu'il aime maintenant. Voilà, détester. Ah, ok. Ah, son mari doit la détester. Il n'est pas la divorcer. Ça fait comité. Voilà. Va. Tu es dans son nom comme ça. Va me chercher et puis ramène-moi sa fécondité. Vous voyez l'action, non? C'est-à-dire qu'elle était, ils l'ont sali, ils l'ont lié. Avant que la fécondité n'arrive, il y a une action de purification qui s'est faite autour dans sa vie. Vous comprenez? Voilà, qui est en train de se faire autour dans sa vie. Voilà. Bienvenue, je t'en prie, la belle Jésus. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre.
action de Dieu est à l'œuvre dans sa vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans sa vie. La puissance de Dieu. La puissance. Avoir un bébé. Et va nous envoyer le bébé. Amen. Et serre cette parole sur ton ventre. Parole du prophète. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es également marié, c'est ça? C'est une grâce. Le fruit de ce mariage doit être bébé, n'est-ce pas? Amen. Dieu te bénit ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Je viens. Thank you.
donner sorcellerie? C'est ma grand-mère tante Marie. Oui. Oui. La voilà. Elle a fait comment? Elle allait payer à Tchèque et puis poisson. Et puis après, elle a payé beaucoup de poisson pour venir me donner. Vous aussi, vous aimez manger, vous là? C'est la fin. Hein? C'est la fin, non? Tu vas dire non. Et il dit, mais tu précises, cours, poisson. Ouais, ça grand-mère, non? Mais vous ne dites pas, ça n'a pas dit non. Pourquoi il a mangé? Elle est venue me chercher. Ouais. Et puis elle est partie dans le pan de sorcellerie. Et puis elle m'a donné vin de l'homme pour manger. Et puis elle m'a donné sang d'habit. Et puis quand elle a vu sang, elle dit de Dieu, ma petite sœur Yasso, il est Dieu. Et puis elle dit de Dieu, confie mon nom, il est Dieu. Et puis elle dit de Dieu, les deux enfants de ma grand-mère. Ma tante, il est tué. Ils ont pas compris le nom. Tu as fait comment? Pour les tuer, tu fais comment pour les tuer? Je suis devenu oiseau. Yeah. Et puis je suis parti dans la maison. Et puis je suis arrivé sur la terre. Et puis c'est des serpents. Et puis je suis rentré dans la maison. Quand je suis rentré dans la maison, et puis je suis devenu l'homme. Et puis appelé les. L'homme, trois fois, et puis l'homme est sorti, et puis il a mené l'homme dans le corps de sorcellerie, et puis quand on a mangé, et puis après la tête, et puis le cœur, et puis quand on a fini de manger, elle dit encore des dieux, les deux enfants de ma tante, ils ont pas dit leur nom, c'est encore bébé, les dieux, un enfant. Et puis, elle a les Indiens au coucher, elle a tué. Et puis, elle a tué au fond de Colette, ils ont faut pas dire son nom. L'enfant, elle a dit au coucher, puis elle a tué. Et puis, quand elle a tué, elle a dit de gâter la vie de mes parents. Ils ont gâté comme elle de maman. Ils ont gâté l'argent de maman. Il a gâté la voix de maman et puis a mis maladie dans le corps de ma maman. Et puis encore il rentre dans le corps de le mari de maman. Tu rentres dans son corps? Oui. Comment tu fais? La nuit si il dort, il rentre sur son corps, puis il rentre. Dans son corps? Oui, et puis quand je rentre, il commence à frapper maman. Attends, faut m'expliquer comment tu rentres dans son corps. La nuit, c'est dort. Hein? Et puis son dos, là, c'est comme ça. Et puis moi, il vient rentrer dans son dos là maintenant. Tu rentres dans son dos. Mmh. Mmh. Puis tu rentres dans son corps. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais dans le corps? Dans le corps là. C'est... Il mélange sa tête et puis il devient bête. Et puis frappe ta maman. Oui. Ta maman est où? Elle a Abidjan. Mmh. Puis frappe ta maman. Oui. Après tu sors de son corps. Parce que ce n'est pas sorti de le corps de maman. Je suis pas de son corps. Tant qu'il n'a pas frappé, hein, le sang de ta maman. My God. Il doit frapper ta maman jusqu'à la faire saigner. La blesse. Oui. Et toi, tu gagnes quoi quand tu fais ça? Mais c'est ta maman, non? Quand tu la vois, le monsieur peut la frapper. Et puis elle sait, toi, tu ressens quoi dans ton cœur? Vous riez. Tu as vu, tu as donné à l'enfant. Tu veux être délivré. Tu veux délivrer.